Bonsoir amis internautes, bienvenue sur votre émission Underground. Vous savez, il n'y a jamais un sans deux. Et donc, nous sommes à la sixième émission et nous recevons pour vous Joseph Kanhunzo. De son nom d'artiste, Josta. Et Josta, bonsoir. Bonsoir monsieur Ben. Alors, Josta, c'est un artiste âgé de 25 ans. Il a démarré sa carrière musicale il y a environ un an. Célibataire sans enfant, guitariste, et il a son actif 6 singles. Alors, Josta, dis-moi, pourquoi avoir coupé ton prénom pour en faire Josta? Merci, monsieur Amel, merci beaucoup. Josta signifie seulement. En tout cas, quand j'ai démarré, quand je m'amusais avec la batterie, je me débrouillais un peu. Je me considère déjà comme Esta. Donc, en ce sens-là, quand j'ai commencé à faire des singles, j'ai dû couper un peu mon nom pour ne pas oublier le star ou oublier là où je vais. J'ai dû ajouter le star simple pour avoir un nom d'artiste. Et donc, si je comprends bien, le star que tu as ajouté, c'est juste pour ton objectif à atteindre. Voilà, je suis un star et je dis tout va bien. Grâce à Dieu, je serai toujours star. Alors dis-moi, comment es-tu parvenu à la musique? Merci beaucoup, Amel. Je vous ai dit tantôt au début que je suis un batteur, je suis aussi un bassiste. Quand j'ai démarré, j'avais l'ambition, j'avais le désir d'entrer dans la musique que je me suis entré à suivre les formations. Voilà, en ce sens, ça me donnait le goût de m'attaquer aussi dans les chansons parce que quand je voyais des gens composer des chants, je constate que quelque chose manquait dans leur composition. C'est ça qui m'a inspiré à faire mes premiers singles jusqu'à atteindre 6 singles actuellement sans album. Est-ce que toi-même, aujourd'hui maintenant, le premier que tu as fait, si on te demandait d'analyser, est-ce que tu ne vas pas trouver encore des manques dedans? Voilà, c'est ça en réalité la chose. Mes premiers singles n'étaient pas si bons, mais ce n'était pas encore mal parce que on doit aller de l'avant. Je me lance toujours dans les recherches. Je me force à faire sortir des choses qui sont trop bonnes. Est-ce que les concerts auxquels tu participes sont de tes propres concerts où tu vas soutenir d'autres artistes? Pour le moment, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de concert. Mais je vais soutenir mes camarades, mes grands frères qui me considèrent. Je vais les soutenir avec mes singles. Je ne comprends pas, c'est que les artistes sont souvent entourés de femmes. Ils sont souvent et disputés par plusieurs femmes. Et depuis que tu es célibataire, tu dis-moi là où tu vas avec. Merci, monsieur Amel. C'est vrai, c'était à cause des études d'abord. Sinon, à mon âge, j'aurais déjà une femme à côté. Je suis étudiant, donc vous savez déjà, les étudiants qui sont conscients, on cherche à avoir quelque chose ou avoir un niveau donné avant de s'engager à se marier. C'est un peu ça, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, je ne me suis pas encore marié. Mais ce n'est pas encore trop tard. Bientôt, je vais m'engager et tout ira bien. Est-ce à dire que les filles sont beaucoup et en quantité, en qualité, là maintenant, en attente? Non, bon, pas trop, parce que même si elles sont beaucoup, même si elles sont en quantité, en qualité, j'aurai... Est-ce que tu me confirmes d'abord qu'elles sont en quantité, en qualité ou bien elles ne sont pas en quantité, en qualité? Bon, pour le moment, beaucoup d'entre elles me cherchent. Oui, bien vrai. Et toi aussi, tu cherches beaucoup d'entre elles? Non, parce que je suis conscient de ce que faire. Ce n'est pas ça là qui me préoccupe plus, mais c'est de relever mon nom à travers ce que je fais un peu partout dans le monde. Alors, dis-moi, quelle est ta filière sur le campus? Ok, actuellement, je suis en 9e année à la FADESP, sciences juridiques. Josta, revenons au niveau de ta carrière. Voilà. Et j'aimerais te demander... Quelles sont les mesures, les dispositions que tu as prises pour une bonne visibilité de toi-même? Voilà, sans vous mentir, monsieur Amel Legba, nous avons pris des dispositions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je disais tantôt, il y a de cela deux jours environ, que j'ai encore lancé un autre single qui est sur le marché actuellement. Ce n'est pas encore mal. C'est parce que je compose d'abord. Avec les forces que j'ai, j'essaie toujours de mettre un accent particulier sur ce que je fais,
je fais tout possible pour montrer que j'ai la capacité de foncer, j'ai la capacité d'aller plus loin dans ce que je fais si je trouve d'aide. Donc, je sollicite toujours mes grands frères, mes grandes sœurs qui m'aident un peu à pouvoir s'en sortir, parce que quand la personne commence et on ne voit pas un talent chez cette personne en question, on n'a pas le désir, on n'a pas le courage d'aider cette personne. Quels sont les canaux que tu utilises pour pouvoir faire la promotion de ta notion? Voilà, monsieur Amel Lemba. Aujourd'hui, quand on n'a pas d'argent, il y a quelque chose qui manque. Mes morceaux sont très bons quand on les écoute, mais seulement, je les partage seulement sur les réseaux sociaux WhatsApp, parce que on n'a pas souvent la connaissance ou bien on n'a pas souvent l'argent pour aller dans des radios, donner les morceaux ou bien publier les morceaux ou bien les envoyer aux techniciens des radios ou à la télé. Voilà, tout ça fait que on est dans nos coins, on se cache quelque part pour publier les morceaux seulement, comme je le fais. Quel artiste t'impressionne dans le monde entier? Quel artiste te donne du frisson quand tu l'écoutes? Et pourquoi il te donne ces frissons? Voilà, aujourd'hui, j'ai des artistes que vraiment je suis de près, ou des artistes que j'emboîte les pas. Je peux donner simplement l'exemple de Doyen Saboran. Je donne aussi l'exemple de Raphaël Chéri, un maître. Voilà. Pourquoi les deux là t'impressionnent? Pas seulement les deux, j'ai aussi d'autres. Mais surtout ces deux là m'impressionnent beaucoup, parce que quand on parle d'artistes, ceux qui savent faire la chose, on doit les considérer, on doit leur donner une place une place que ceux-là méritent. Voilà, Saboran m'impressionne beaucoup parce que c'est un papa que j'adorais depuis mon naissance, je dirais, hein, pour ne pas trop dire, parce que il connaît la musique, il compose par rapport à la musique, il ne s'arrête pas seulement dans la musique moderne, mais aussi dans la musique traditionnelle. C'est ça qu'on appelle artiste. Quand on parle d'artiste polyvalent, on doit compter, par exemple, Saboran, qui est là, qui compose les deux ensemble. L'homme orchestre, monsieur. Voilà, l'homme orchestre. Voilà, un peu. Si je prends aussi Raphaël Chéri, non, c'est il y a la voix, et c'est ça là qu'on appelle. Et pourquoi, quand il s'agit de Raphaël Chéri, tu t'es mis à sourire tout d'un coup? Oui, voilà un peu. Parce que ceux-là, ils travaillent. Et ils ne restent pas là seulement pour chanter, ou bien ils vont dans des studios. On compose n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Ils réfléchissent sur ce qu'ils veulent composer. Ils étudient ce qu'ils veulent composer, le message véhiculé dans la chanson. Ils font toutes ces choses-là. Il les amène bien ce qu'il veut faire. Donc tout ça là me donne l'impression de les apprécier, de les envoyer un coucou, de leur dire que malgré leurs efforts, ils ne se montrent pas trop sur le terrain, mais à travers ce qu'ils font, on voit un avenir meilleur. Alors, quand tu fais un coucou, moi je profite pour faire un coucou de l'autre côté à Madame Pissongol, la directrice de Reporter Bénin qui t'a accueilli. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je vais pas finir sans te demander, je suis Josta, du Bénin, excuse-moi si je mal prononcé. Josta, quand tu vois actuellement des enfants sur la voie chanter des morceaux en chantant une incline, qu'est-ce qui t'arrive toi en tant qu'artiste? Merci, Amel, sans vous mentir, je dirais ils ont gâté là. Et c'est certain, ce n'est pas tout le monde. Et quand vous écoutez les chansons de Saboran, depuis qu'il a commencé par chanter, est-ce que vous avez entendu des choses pareilles? Non! Mais aujourd'hui, c'est parce que
ces jeunes-là voient qui se suffit eux-mêmes, et ils ne veulent plus l'aide de quelqu'un, ou bien ils prennent déjà des choses que je ne pourrais même pas le dire. Quand ils sont rassasiés, je dirais, hein, ou bien quand ils sont bons, quand ils se voient déjà bons financièrement, ils commencent par chanter, ils commencent par dire des conneries, de n'importe quoi. Et c'est ces gens-là que ces enfants-là, comme puis aujourd'hui, quand les enfants chantent à Digbo Bongo aujourd'hui, par exemple, c'est parce qu'ils avaient écouté ça quelque part. Et quelle éducation donnons-nous en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui doit éduquer le peuple, quelqu'un qui doit donner un bon exemple dans le pays. Quel exemple donnons-nous aujourd'hui? C'est ça, c'est en cela que moi je ne vois pas trop ces gens-là, je ne les considère pas comme artistes, même ceux qui s'insultent, c'est ça, je dis, Fouamel Legba. Quand j'avais chanté Khouriwa, les gens, en tout cas, les gens ne croyaient pas trop en ce que je disais. Mais au finish, ils ont compris que non, c'était de bons messages. Et donc, des artistes insultent alors, si je peux vous croire. Oui! Insultent. Est-ce que je vais donner des exemples d'artistes? Ils sont nombreux sur le marché aujourd'hui qui s'insultent entre eux. C'est ça, je dis, Khouriwa, Yenozoumé, Bonozoumé, Tob, Bonozoumé, non. Tout ça là, est-ce que c'est bon? Quand même l'enfant qui ne sait pas insulter, qui n'avait pas l'intention d'insulter, quand il écoute ces chansons là, bizarrement un jour il va dire Timakon. Et toi, parent, tu vas demander où il a entendu ça. C'est à travers les chansons. Il a copié ça et c'est aggravé dans sa tête. C'est là. Et brusquement, il a fait sortir. Il y a une question qui m'arrive, qui me passe par l'esprit. Oui. Et que je suis sûr que vous aurez déjà fait l'analyse là. Voilà. On a compris depuis un bon moment que la musique nigériane et la musique ivoirienne prennent le dessus sur la musique binoise, même au Bénin. Voilà, faux. Amen. Je te dis la chose, c'est ça que je te dis en réalité. Je suis un jeune. Peut-être qu'ils vont dire que je ne suis pas. En tout cas, je ne comprends rien, je ne maîtrise pas rien, peut-être. Je vous ai dit, au début que je suis batteur, je fais la batterie, je fais aussi la guitare basse. Je sais ce qu'on appelle rap, je sais ce qu'on appelle la cardi, je sais un peu de quoi il s'agit. Aujourd'hui, quand nous laissons notre chose, ce qui nous appartient, quand nous laissons et nous allons voler pour quelqu'un d'autre là, ça ne va pas trop nous profiter. Non, on ne va pas trop profiter de ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le Bénin, par exemple, si on vient au Bénin là, on doit danser à Djakaka par exemple. On doit danser Kaka même, on doit danser Masegoru, on doit danser Akbaja, on doit danser Senli, on doit danser Tchekoumé par exemple, et on vient au Bénin et on ne trouve rien de ces choses. Ça veut dire que nous avons laissé nos cultures, nous ne valorisons pas nos cultures. Est-ce que ce sont les Béninois qui ont laissé la musique béninoise pour s'attacher à d'autres, ou bien ce sont les artistes qui composent mal les textes et n'arrivent pas à accrocher les Béninois? Bon. Aujourd'hui, ce que je constate, aujourd'hui dans notre pays, nous tous, nous aimons les rythmes Nandja plus que nos propres rythmes. Parce que, et vous, en tant qu'artiste, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi les jeunes, pourquoi même les vieux aiment plus maintenant du Nandja, de l'ivoire, plus que la musique béninoise? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Oui, c'est parce que je vois que il n'y a plus de jeunes qui peuvent en réalité valoriser notre propre culture. Et c'est ça, quand est supposé mais
Par exemple, pour que le coup de la jamais est bon, il ne nous bloque pas. Mais moi, pour écouter, il n'y a qu'à quand ils ont fait beaucoup de il est obligé d'acheter un autre. Pourtant, des huit à jamais là, il y a ton. Mais du coup, besoin de tomber dans un débat, ça sera jamais. Il est obligé. C'est un peu ça. On n'a pas des jeunes au Bénin aujourd'hui qui puissent ou bien qui chantent réellement, qui valorisent notre futur, notre propre futur. Et bon, ils ont et mon ami que nous voulons tout de l'autre dans les comptes où. Voilà, même sans savoir ce que dit la chanson, et on s'est mis au rôde, mais on nous dit, c'est un peu ça. Et mon ménage, j'ai gardé, mais nous t'en l'homme. Et mon ménage, j'ai gardé, nous mettons les mêmes bénins, nous c'est là. C'est un peu ça. Monsieur Abel, c'est en cela que même les vieux, parce que, maintenant, c'est bien, à Djaroui, qu'on dit, allez bien. Non! En quoi, on peut nous dire, qu'on dit, en quoi, ben, ici. On dit, la chanson sort de la parole. Voilà, maintenant, la Djaroui, qu'on dit, en plus, ouais, mais à travers parce que les mondes ils sont doux à mon acte à ouais on voit nos bodies nous voulons dire on nous dit il est soudi on nous dit nous mardi les bodies nous renvoient les gens. Voilà, c'est un peu ça, monsieur Amel Lega. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Merci, monsieur Justa. Et comme à l'accoutumée, chaque artiste que nous recevons fredonne quelque chose au nom du reporter Béni. La tradition n'était pas à exclure. Je vais vous inviter à nous faire donner quelque chose. Nike Rambo, Rambo de Kana Yami Wea, Oso Djegbe Manchuan Lodo, Nile Djei Ranzon Mendo Miami, Nike Rambo de Mangan Yami Kon, Osi Nuto de Mono Bafu, Randi Toa Dade Iwale, Ise Wadoto, Nwe Wano Tubo, Rangbe Mitondo Domo Aye, Ome Menwe Miwa Seko, Ele Biyo Rangwekbe, Bodo Rangwekbele, Pavel, bon, non. Qui est l'ancien beau à Sidibo, ou yé nos zoom, mais faux beau nos zoom, bon, nos jirans d'autres dibondo, jima pono. Bon, nos jirans d'autres dibondo, à faux ben nous zizé. Bon, nos jirans d'autres dibondo, ou men ou yomé. Ouais, un peu. C'est un peu ça. D'accord, c'est sur ces morceaux que tu nous as prédonné que nous allons boucler notre émission. Merci. Underground de ce jour, nous invitons tout simplement tous les amis internautes qui aiment et qui nous suivent de prendre encore le rendez-vous pour d'autres artistes. Mais pour l'instant, nous sommes restés avec Justa. Justa qui répond à l'état civil au nom de Joseph Ganrouzo, voilà. Âgé de 25 ans et musicien il y a à peine un an, mais qui a déjà 6 singles voilà. À son actif. Amis internautes, on se dit à samedi prochain. Et que Dieu nous prête vie. Merci. Why you di men a mu ko si wa yo e ama o je file ayo na ki tere ki le we yo we ke ama o je file bo da gaga to ne mu me wa ye yo we ke chale wa de a ti su ba me to men a mu ko si wa yo e ama o